La grotte, même si une grotte c'est sombre, humide et froid, ce n'est pas accueillant, mais c'est pourtant là que Jésus est né. Peut-être pour me dire que la vraie grotte qu'il veut habiter, c'est mon cœur. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. La lumière, mais plus belle que celle du soleil, une lumière qui éclaire sans jamais faire d'ombre. Et puis quand vient la nuit, que tout s'en va, une lumière qui aide à voir la présence de Dieu. Alors c'est la flamme qui éclaire et qui réchauffe. La fidélité qui vient de Dieu. C'est d'abord Dieu qui est fidèle en tout ce qu'il dit, en tout ce qu'il fait. Alors je peux avoir confiance en lui et devenir fidèle à mon tour, en mettant en pratique sa parole de vie. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le biathlon est en mode plongée et randonnée parce qu'à Lourdes, on marche beaucoup et puis qu'il y a les piscines. La foi, c'est plonger sans arrière-pensée, sans retenue dans la vie de Dieu. C'est me laisser emporter par une grande et douce vague, celle de son amour. Et puis la randonnée parce que je marche vers le royaume de Dieu, vers la terre promise, la vie éternelle, en suivant Jésus partout où il va. Et Dieu sait s'il m'emmène souvent par des sentiers imprévus. Une conversation avec des temps de parole, de silence et d'écoute. Dieu qui me dit « Réjouis-toi, tu es mon fils bien-aimé, je suis avec toi, viens, suis-moi. » Et puis ma réponse « Qu'il me soit fait selon ta parole. »